Merci. Donc, en gros, la question c'est: Melons aren't very filling as a food source. Which of these items is even worse? Ça veut dire quoi, even worse? Even, tu avais déjà vu avant. Oui, bah écoute, essaye pas de me faire la prof d'anglais là, s'il te plaît. Non, mais tu as déjà vu avant. Je suis pas fait exprès. C'est toi qui l'avais traduit avant. Bah oui, mais je traduis à partir du contexte, moi. Ça veut pas dire que je sais ce que veut dire Even. Et c'est quoi les réponses? Donc les réponses, c'est carotte, potato, spider eye ou raw fish. Et tu peux traduire la tout ce que tu es capable de traduire de la question. Donc, les melons ne sont pas très filling comme une source de nourriture. Lequel de ces items is even worse? Et pire. Et encore pire. Ah ouais. Et potato. Pire. Voilà. Worse, c'est pire. Ah bah c'est cool. Elle est vraiment hyper instructive cette map. Que ce soit en anglais, en solfège ou en culture. On est obligé de s'y mettre à deux quand même pour la traduire. Hein. Ouais, bon. Mais c'est un souci, c'est sympa. Donc, Lamo Stone. Non, moi c'est Worst que je connaissais. C'était Even qui me faisait un doute. Donc, what is the name of the exact block in the room? Mossy Stone Brick, Mossy Stone Bricks. C'est ça. Ah, t'as la même question qu'avec la Shizled. Starting with materials as their progress form the complete melting. Putain. Which of these items takes the most amount of total crafting steps? Attends, si je comprends bien, c'est lequel utilise le moins ou le plus d'étapes de crafting? Ou le plus de quoi? Attends, tu peux traduire la question? Alors, en partant des matériaux qui sont. En partant des matériaux de base qui ne prend pas en compte le smelting, lequel de ces items prend le plus d'étapes de craft? Ouais. Sniper, c'est 2. Sticky piston, c'est 2. Bookshelf, c'est. Le plus! Ah, c'est bookshelf, je pense. Oui, c'est bookshelf. C'est dans le petit map. Les planches. Non, il y a les planches à crafter pour le bookshelf. Il y a les planches. Il y a les livres. Les livres. Mais avant les livres, il y a déjà le papier. Enfin, il y a le papier. Tout ça pour dire. Hey. Attends. Voilà. Donc, et donc c'était ça. Et en petit map, je suppose. Ouais. Ah non. Non. Ah là il est en game mode 3 avec toi. Hein? Là il est en game mode. Il est comment avec toi? En survie. Ah oui, d'accord. En aventure. Oui, en tu vas pas te lâcher sur les plaques de pression toi, tu attends qu'il trouve la bonne réponse. Potato. C'est ça? Hop, et en petit map, ça va être. Voilà. Minecart, Whisper, Sticky Piston. Sticky Piston, je l'ai fait. Bah. Sticky Piston. Il reste quoi sinon? Ah, Minecraft Whisper, c'est ça. When Clay was added to Minecraft Alpha, which of these other items was added to same update? Putain. Mec. Quoi? Va en enfer. Je ne sais rien de Minecraft Alpha. Rien de ces updates. Je suis arrivé en version finale 1.3, moi. C'était déjà il y a 3 ans. Putain. Ouais. Il nous parle d'une version qui date de 2010, on est d'accord. Tu peux m'écrire, tu peux me donner la question exacte, la traduction exacte de la question. Donc, quand Clay a été ajouté à Minecraft Alpha, lequel de ses autres items a été ajouté en même temps? Les items? Donc, les bouquins, le levier, les œufs ou le cactus? Ah, j'aurais dit les cactus. J'aurais dit les œufs. C'est pas ça. Ben, c'est problème. Pas les cactus, on meurt sur les cactus. Les cactus. Les cactus te tuent sur des cactus. Ouais, tu peux pas te téléporter à Pef du coup, vu que lui il attend dans la salle. Non, pas du tout, on est téléporté tous les deux. Non, ouais.
Ah oui, d'accord, vous êtes téléportés tous les deux. Ah oui, c'est radical, hein. Non. Bon, bah pourquoi pas, je me suis trompé. Oui, je me suis trompé. Tu t'es trompé sur la question que t'as déjà faite. Ouais. Ça, c'est un peu con, quand même. Donc, moi, c'est Stone, moi, c'est Stone Bricks, je sais pas ce que c'est. On avait vu que c'était Antimap. Non, c'était pas Antimap, c'était... Minecraft Hopper, non. Oui, Minecraft Hopper. Et du coup, Eggs. Ouais, on peut essayer. Ouais. Non. Et il reste quoi comme réponse? Et donc, et du coup, on y retourne, bordel. Levier et quoi? C'est levier et quoi? Levier et les bouquins. Ouais. Vas-y, il y aurait levier perso. Ouais, bah c'est bouquin. Bouquin. Donc, voilà. La question d'abord avant la réponse. I want all drops can actually be obtained with the stone pickaxe. Each other allows for the same. Pas gold, pas redstone, pas emerald, c'est lapis. You mad. Je sais pas, j'ai pas compris la question. Donc, question 26. Which of these stats... Il y en a combien des questions of this... Je crois qu'il y en a 30. 50. Putain. 50. On en a, ouais, on en a fait la moitié. Bon, which of these statements is false about jack-o'-lanterns? They cannot be placed on top of the of TNT. Ça... C'est possible de la placer. Pas non. Pas en 1.6, faut croire. Ah non. Non, non, on pouvait pas la placer sur la TNT. On peut toujours pas d'ailleurs. Oui, c'est pas faux. En fait, c'est juste nous qui sommes cons. Oui, j'y ai repensé après. Juste avant que tu crèves. Oui, mais surtout les jack-o'-lanternes, on est cons, ça vient pas de la TNT, ça vient du jack-o'-lanterne. Bah oui. Attends, c'est quoi les réponses? Faut me donner la liste des possibilités, parce que sinon là, il faut me donner très dur la question et me donner donc, la liste des possibilités. C'est pas ça. Then to create iron then snow golem, c'est pas ça. Bah quoi que. Attends. Oui, non, donne-moi c'est... la question et donne-moi les quatre réponses. Qu'est-ce qu'il faut à propos de jack-o'-lanterne et... ouais. Voilà. Et... Ah comment on l'a construit? Non, qu'est-ce qu'il faut à propos? They give off more light than a torch. Ça c'est vrai. Elle éclaire plus qu'une torche, j'en suis sûr. C'est quoi les deux autres trucs? Voilà. Donc yeah. C'est si elle est équipée, elle permet d'éviter que les Undermen soient en gris et ça marche. Elle pas peut avec pas être équipée. Elle peut pas être équipée. Donc. C'était aussi con que ça. Grâce requires light level 4 or higher to spread over dirt. What's the lowest light level? Essayez me requiert to spread. Pas compris la question. 7. Non, 10. 10, t'es sérieux? Attends, c'est quoi la genre, question? Combien de luminosité il faut au mycélium pour se ramener... Oh putain, fais chier. C'est inférieur. C'est faible. C'est faible, la réponse la plus faible, c'est 7. Eh ben, c'est 7. Non, je viens d'essayer 7. 7. Bizarre, il me semblait que c'était la faible. Alors, c'est 10. C'est 7 ou... Attends, la plus faible, c'est 7, après c'est 10. Non, c'est 7, 8, 9, 10, en fait. À partir bon, de bah... 10, les mobs ils peuvent plus. Light level. Ah, mais 7... le mycélium. Ah non, c'est 9. 9 ou 10. 9. C'est 9 ou 8. Ah, bah c'est 9. Tant mieux. How many different colors of wood can ship naturally spawn in the overworld? Est-ce que l'easter egg du mouton rose qui spawn de temps en temps, ça existait déjà à l'époque? Non, parce il me semble pas. Oui. À l'époque. Ouais. En 1.6.4. Pourquoi donc, quelle est la attends, question? Donc on a blanc, gris, clair, gris foncé, noir, marron, ça fait 5. Et du coup, si on a l'easter egg, attends, gris clair, gris foncé, noir, marron, blanc. Et si on a. Faut voir s'il y a 5. Il y a 5, donc on va essayer. Ouais, non, c'est, ça compte à 6. Tu sais, si tu veux, on peut retourner au milieu. Ouais, mais il faut éviter, il veut essayer de gagner la laine.
En fait, si j'ai voulu que tu fasses cette branche, c'est parce que c'est la plus longue. Du moins, à mes souvenirs. Mais, what? Oh, enfoiré. Ouais. Putain, pourquoi? Mais du coup... Tiens, what? On se refait TP. Attends, mais... Ouais, mais pourquoi... J'ai meurt. Au bon endroit, mais on se fait TP. Meurt. Moi, je suis mort, j'ai respawn au bon endroit. Voilà. Bon. Ouais, on commence à avoir l'habitude, exactement. Ouais. Ouais, et au prochain checkpoint, vous serez paumé. Non, pas là. Là. Après, là, je sais pas. Et vous en êtes rendu à la combienième, la question? On est à... C'est là, non? Ouais, c'était là, donc ça va 20. Être 6. Donc là, on en est à la 29. La question, c'est quoi avant de dire ses réponses? Black of Colis, la 29. Last Edition. C'est la Last Edition. After the Black of Call. Vous en êtes à combien de questions? Carpet, c'est en même temps. Stainclay, c'est en même temps. Nametag, c'est en même temps. The Black of Call is one of the latest editions of Minecraft. Which of these items were... Il y a une faute ou bien was added after the block of coal? Lequel de ces items a été ajouté? Oui, non. Pas lequel de ces items ont été ajoutés. Carpet. Non, en fait, c'est toute la version 1.6. Après. Mais là, on était à la version 1.6 et puis tous ces ajouts-là étaient de la version 1.6. Donc peut-être qu'il parle des snapshots, mais dans ces cas-là, on peut pas vraiment savoir. Non, parce que je crois qu'il y a... Ben, c'est comme dans la 1.8... dans la 1.7, je veux dire, il y a eu un truc qui s'est ajouté en 1.7.10. Non, mais là, je suis sûr de moi. Ouais. Ils ont tous ajouté dans la 1.6.2. Ah oui, d'accord. Et attends... qu'est-ce qui est arrivé après? Ouais, du donc coup... soit... Ah bah, donc qu'est-ce peut-être? Vu que c'est les mules... Oui, c'est les mules. Heureusement, c'est particulier. Ça vient d'un 1.6, mais... Oui, c'est un croisement assez... Non. Non, parce que c'est vrai que c'est un croisement assez particulier. Mais le bloc de charbon, ouais, il a été ajouté. C'est pas ça, on a perdu la question 29 et je rage. Parce qu'on a encore tout à se retaper. Si... Ouais. D'ailleurs, normalement, si vous faites un slash... Et si vous voulez, vous faites un slash point point. Ouais, ça parce fait que ça existait pas, je crois. L'1.6, ça date pas, on s'en souvient. Ouais. Ça date pas de beaucoup, hein. Du moins si. Si. Pas vous. En fait. Un an et demi, c'est... Oui, oui. Un an pour sortir une mise à jour, quand même. La 1.8 a été la seule à se faire en un an. Hein. Ouais, et la 1.9 risque de mettre autant, voire plus. Donc, name tags, on va dire. Rien que la 1.8.2, elle prend du temps. Rien que la 1.8.2, elle prend du temps. Il y a des snapshots et la 1.8.2. Ouais, je sais. T'as fait quoi tout à l'heure? Hop, CLB35, parce qu'on est en version 1.4. Ok, donc au pire, moi je suis là. Allez, donc Stainclay, Carpet. Donc, on avait dit que c'était pas ça, merde. Pourquoi t'es allé dessus? Parce que je suis un abruti. Il hein l'avoue. Oh putain, on les enfoirés. Eh oui, on le sait. Hey, ils savent bien coder une map. Pourquoi? J'ai fait mon spawn point et on a respawn au bon endroit. Ah, c'est des connards en fait, ils te reset ton spawn point à chaque fois. Ouais, ce sont des connards. Ah ça, je le savais pas par contre. Alors... Faut dire, j'ai dû la recommencer une centaine de fois, moi. Ah ouais, quand même. 9. Bon, à ce que je remarque, l'épisode est 4 fois trop long, donc j'essaie de me débrouiller au montage. Encore une fois, je voulais faire un découpage en épisode cohérent, mais bon, là ça va pas être possible. Je pense que ça va être en partie, genre, tu vois, une section, partie 1, 2, 3, tu vois, et où il y aura pas d'intérêt entre les deux, mais on coupe les épisodes à chaque fois. Tu fais un best-of vite fait. Ouais, enfin, je verrai ce que je ferai, mais bon, ouais. Là par exemple, pour celle-là, tu gardes juste les meilleurs moments. Ouais, je pense que je vais faire ça. Comme par exemple, t'écris de fillette.
Et c'est pas ça non plus, youpi, putain. Et CLB, par exemple, tu garderas tes cris de fillette. Voilà. Ouais, bon, écoute. Je suis désolé, mais quand t'es arrivé au niveau des creepers... Non, mais... Je fais des cris assez drôles des fois, mais c'est pas une raison pour m'insulter comme ça. Oh, mais je plaisante. Je suis pas vexé, hein. Mais c'est pas gentil. Pour te dire, quand j'ai vraiment peur de quelque chose, je fais aussi un cri aigu. Hein. Tout le monde fait un cri aigu quand il a peur de quelque chose et qu'il s'en fout de moi, la non. Maintenant, j'en fais... C'est beaucoup moins aigu qu'avant. Après, j'ai mué, moi. C'était clair, bah, je suis en cours de muer aussi. Ouais, donc c'est beaucoup plus fréquent, les cris aigus, quand on est en train de muer. Alors, les tags de Stan Clay, Carpet... Ouais, le truc bon. Et à la fin tu connais ton truc par cœur par je contre. J'ai trop d'évolution sur les carpets. Oh non. Faut que ce soit le dernier quoi, fait chier. Rage. Tu sais CLB, une chose. Maintenant quand tu penses que c'est quelque chose, tu dis bon j'y vais pas. Quelle serait l'autre possibilité? Oh bah bon j'y vais pas. Quelle serait la troisième possibilité? Bon j'y vais pas, tu prends la quatrième. Quand tu sais vraiment pas. Hein. Uniquement quand tu sais vraiment pas. Le pire, c'est que c'est quasiment tout le temps comme ça. Les personnes savent vraiment pas quelle réponse choisir. Ils en tentent une, c'est pas elle. Ils tentent la deuxième, c'est toujours pas elle. Ils tentent la troisième, toujours pas. Et la quatrième, bah c'était la bonne. Stan Clay. Oui. Final question déjà. Il y en a avec 30. Oh, mini rooms, ils ont. Et ils ont mis à 0. Attends. Mais ah, non, c'est 31, je pense. Non, c'est 29, du coup. Enfin, c'est une question, ça aussi. J'ai pas du tout compris la question, mais bon, à part ça. Combien de salles de cette trivia room a... Quoi? Ah non, arrête. Enculé. Créateur de map sadique. Qu'est-ce qu'il y a? Bah il nous a raté, porté la question, va un peu chier. À la question quoi? 20. Ah oui. Ça va vite. Alors que vous étiez à la 30? Ouais. Mais vous êtes con? Ah bah voilà, c'est bien ce que je disais, il y en avait 30. Non, t'avais dit 50. Non, c'est Pef qui avait dit 50. Moi j'avais dit 30. Ouais. Bon, au pire, aux F. T'as dit quoi? Pas grave. Vous connaissez donc, tout. Donc attention, 29. 30... 31. Je pense pas, mais. Oui. Quoi? Oh putain. Je suis trop lâche. Youpi. Et c'est toi qui as eu la laine, enfoiré. Bon, bah, il me manque le fichier final, c'est pas trop grave. Hein. Désolé si vous avez trouvé la vidéo longue et redondante, mais je galère un peu.